Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver sur cette édition d'information de l'ORTC Antenne de Moéli. Voici nos principaux titres. Les examens oraux du baccalauréat ont débuté ce mardi à Moéli. Toutes les dispositions sont prises par les responsables du domaine pour le bon déroulement de cette épreuve. Former les éco-gardes et rangers du parc national de Moéli à faire les premiers secours en cas d'accident a fait l'objet d'une formation dispensée par le Croissant-Rouge comorien de Moéli. S'assurer d'une bonne surveillance de la population en cas de maladie était au menu d'une formation au profit des agents de santé communautaire de l'île de Moéli. Bienvenue à toutes et à tous. Comme prévu, les examens oraux du baccalauréat ont débuté ce mardi dans l'ensemble du territoire national. Ici à Moéli, toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de cette deuxième phase vers l'obtention du baccalauréat. Reportage de Hadissati Alitamou et Tchan Mohamed Elami. Les épreuves oraux du baccalauréat session 2021-2022 ont débuté ce mardi 23 août au niveau de l'île autonome de Moéli. Ils sont au total 456 candidats qui passent les épreuves orales, dont 116 en série A1, 260 en série A4, 70 en série D et 19 en série G. Dès la matinée, les candidats des différentes séries se sont présentés pour que chacun puisse passer sa première matière. À en croire les responsables de l'examen, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des épreuves. Les examens de deuxième groupe, nous avons pris toutes les dispositions pour faire un examen digne et les enseignants et les élèves soient à l'aise pour les examens. Donc je crois bien jusqu'à présent, nous n'avons pas d'incidence, donc les examens se déroulent bien, donc, et j'espère qu'ils finiront bien. Selon les élèves, les examens se sont déroulés dans des bonnes conditions. Pour moi, l'oral, ça passe bien, tout est normal. Même les professeurs, j'aimerais juste les dire d'être tranquille et patienter surtout. L'oral est bien passé. On a bien travaillé, on a répondu les questions. L'oral s'est très bien passé, car certaines matières qu'on n'a pas eu une note, on passe à l'oral pour repasser et trouver une note pour compléter les matières qu'on n'a pas eues. Rappelons que l'île autonome de Moéli a enregistré les meilleurs résultats au baccalauréat pour cette session 2021-2022. Constaté de visu, mais également réceptionné provisoirement, les clés des quatre salles de classe réhabilitées après le passage du cyclone Kenneth a fait l'objet du déplacement du ministre de l'Aménagement du Territoire en compagnie du coordinateur du projet post-Kenneth et de résilience pour Mbatsé et Hamba au cours de la semaine. Reportage de Zaria Madikassim et Hussaini Abdillah. Au cours de cette visite, il est question par Afritan Issouf, ministre de l'Aménagement et du Territoire, ainsi que le contrôleur indépendant des travaux du projet post-Kenneth, Issouf Irfan, de constater les travaux effectués, notamment quatre salles de classe construites par le projet de relèvement de post-Kenneth et de résilience. Il s'agit de salles de classe bien équipées avec des bancs, tables et des armoires pour les enseignants. Des latrines et un bain de stockage d'eau d'une volume de 34 mètres cubes sont également construits pour faciliter les conditions d'apprentissage dans cette école publique primaire de Mbatsé. 125 millions de francs comoriens est le financement injecté par la Banque mondiale à travers le ministère de l'Aménagement du Territoire pour réhabiliter les écoles touchées par le passage du cyclone Kenneth en avril dernier, dont 19 374 000 francs pour l'école publique primaire de Mbatsé. C'est un programme qui consiste à valoriser l'apprentissage dans les milieux scolaires, notamment les établissements primaires, à en croire le ministre Afritan Issouf. Ici à Moéli, au niveau des établissements scolaires, donc il était important de réhabiliter ces infrastructures-là. Donc aujourd'hui, il y a environ 3 mois, nous étions ici à Moéli pour lancer ces travaux. Le contrôle nous a informé que les travaux sont achevés et qu'il fallait venir les réceptionner. Donc nous sommes venus avec une équipe de la coordination du projet Kenneth pour constater
si effectivement ces travaux ont été réalisés dans les règles de l'art. La notabilité de Mbatsé salue cette initiative jugée très salutaire puisque selon eux, le développement du pays commence d'abord dans le secteur de l'éducation. D'ailleurs, ça répond au vœu du président de la République parce qu'il nous a dit que d'ici 2030, il faut que le pays émerge. Donc on ne peut pas parler d'émergence sans parler de l'école. Il a noté que d'autres établissements scolaires tels que l'école publique primaire de Bandar Salama, Amavuna, Ronroni et autres sont prévus d'être réhabilités pour les mêmes objectifs. Valoriser l'enseignement primaire dans l'île de Mouili et dans le pays en général est devenu une priorité pour le gouvernement comorien et ses partenaires, notamment la Banque mondiale. Renforcer les capacités des éco-gardes et rangers du parc national de Mouili a fait l'objet d'une formation de 2 jours ce mardi à Mouili, dans la maison des épices de l'île, financée par l'association Noé en collaboration avec le parc national de Mouili. Cette fois, il est question de les former comment faire les premiers secours en cas d'accident. Encore une fois, Zaria Madi Kassim et Tchan Mohamed Elamine. Cette formation théorique et pratique destinée aux éco-gardes forestiers et rongeurs du parc national de Mouili vise à renforcer leur capacité sur la manière de sauver de vie en cas d'accident dans leur milieu de travail ou autre. Formés par le Croissant Rouge de Lille, les démontrer les notions de base des premiers secours va permettre aux bénéficiaires de mettre en pratique les gestes essentiels afin de protéger, examiner et secourir une personne blessée en cas d'accident ou en situation de détresse. Les responsables ont vu l'initiative de faire former ces volontaires éco-gardes terrestres du parc en vue de leur aider dans leur boulot ou bien à la maison. On voit bien qu'ils apprennent très bien et ils sont très heureux de cette formation. Donc on croit que dès qu'on sort dans cette formation, on aura bien des secouristes dignes de ce nom. Le responsable chargé de mission, surveillance et suivi des affaires juridiques du parc national de Mouili se dit confiant que ses participants vont répondre aux objectifs recherchés par ses organisateurs. Je félicite les formateurs et les bénéficiaires de formation parce que les formateurs sont dignes du nom et les bénéficiaires sont très attentifs. Toutefois, j'aimerais bien qu'ils appliquent tout ce qu'on leur dise à moins d'éviter les pires. À noter qu'à travers cette formation, ces agents seront en mesure de sauver de vie en attendant l'intervention du COSEP ou autre. Une formation nécessaire pour chaque citoyen en âge de porter assistance à toute personne en réalisant les gestes élémentaires de secours. Une formation des agents enquêteurs se déroule à la Direction régionale de la production au niveau de Mouili. Cette dernière consiste à former ces enquêteurs qui vont mener des enquêtes dans les différentes localités de l'île de Mouili pour l'amélioration de la santé communautaire. Mounibou Amir et Tchan Mohamed Elamine étaient sur place. Ils sont au total 26 agents enquêteurs venus des 4 coins de l'île de Mouili suivre cette formation dispensée par l'Institut Inside. Cette dernière est financée par l'UNICEF à travers la Banque mondiale dans le cadre du projet Compass. Ceci avec la collaboration du gouvernement comorien qui n'aménage aucun effort pour améliorer la santé communautaire. Ce dernier va mener des enquêtes dans 1460 ménages dans l'ensemble de l'île afin de recueillir les données de ce ménage dans les domaines de la santé maternelle et éducatif. L'objectif de cette formation qui est mise en place à peine déjà un mois au niveau national, c'est le but de former les agents enquêteurs et enquêtrices de l'enquête mixte qui est mise en place par le partenaire des enfants qui est UNICEF et qui est mise en œuvre par le gouvernement à travers de l'Institut national de la statistique INSED. Okay, après la formation, bien sûr, les agents qui seront sélectionnés à travers les tests qui sont mis en place pour évaluer les meilleurs agents. Les meilleurs agents qui seront sélectionnés dans cette formation seront déployés dans l'ensemble de l'île de Mouili pour collecter les informations qui nécessitent à évaluer, qui fait partie de l'enquête mixte. À savoir que ce n'est pas la première fois que ces enquêteurs bénéficient d'une formation pareille à celle-ci.
et cette dernière entre dans le cadre de l'objectif du développement durable ODD du gouvernement comorien pour l'émergence à l'horizon 2030. Une formation de 2 jours au profit des agents de santé communautaire a débuté ce mardi à la salle multifonctionnelle de Fomboni, organisée par le ministère de la Santé. Cette dernière vise à les former sur la manière de surveiller la population en cas de maladie. Le point avec Soranti Bouramadi et Tchan Mohamed Elamine. Cette formation a regroupé certains agents de santé communautaire de différentes localités de l'île. Initiée par le ministère de la Santé, avec l'appui financier du projet SIDA, l'objectif est de pouvoir surveiller les maladies susceptibles, mais aussi de collecter les données sur les cas de maladies enregistrées dans les différentes localités. Raison pour laquelle les responsables de cette formation sollicitent la collaboration des agents de santé communautaire auprès de la population afin qu'ils facilitent leurs activités respectives. Le message que j'aimerais leur dire, c'est de continuer, à, comme ils le font déjà, mais de continuer à travailler en étroite collaboration avec leurs communautés respectives, de toujours échanger avec elles, parce que grâce à cela, ils peuvent rapidement détecter les maladies à surveiller, ils peuvent rapidement les remonter, les collecter, les notifier et à notre tour ici avec le personnel de santé on pourra réagir et éviter toute que ça soit épidémie mais en tout cas toute propagande. Renforcer la santé de la population comorienne est l'une parmi les priorités du ministère de la Santé pour assurer une meilleure prise en charge des citoyens. À titre de rappel, ce n'est pas la première fois qu'une formation telle que celle-ci s'effectue ici à Mouili pour les mêmes objectifs. Pour finir cette édition, des responsables de l'ANG Maïcha sont de séjour à Mouili. Ces derniers ont échangé avec le responsable du service d'écoute de Mouili, la juge des enfants, à travers une émission radiophonique en vue de continuer ensemble le combat, particulièrement sur la protection des enfants en situation d'isolement dans les différentes maisons d'arrêt du pays, en vue de les aider à réussir dans leur vie. Suivons ce reportage. Au cours de cette émission radiophonique axée sur la protection des enfants, réalisée à la demande des responsables de l'ONG Maïcha de la Grande Comore, aider les enfants en situation d'isolement est au menu de cette émission. La présence du juge des enfants ainsi que du responsable du service d'écoute de Mouili est justifiée. Ces dernières sont impliquées et demeurent les responsables des enfants victimes ou auteurs d'actes de violence physique ou autres. À travers cette émission, les responsables de l'ONG Maïcha ont mis l'accent sur la prise en charge des enfants au sein des maisons d'arrêt du pays afin qu'ils puissent avoir leurs droits. Depuis 2021, l'ONG Maïcha, avec le soutien financier de l'Union européenne, met en œuvre un programme de protection de l'enfance en situation d'isolement. Ce programme a pour but de mettre la lumière sur le phénomène de l'isolement des enfants dans le prisme du phénomène du confiage et du placement des enfants, puisque dans la culture comorienne, le confiage et le placement est un phénomène très répandu, mais les conséquences de ce placement sont moins mises en lumière. Comment ? En faisant dans un premier temps une enquête qui a été réalisée sur les 3 îles, donc sur l'ensemble du territoire national en fin d'année dernière, pour justement avoir des preuves scientifiques caractérisées, qualitatives et quantitatives également, pour pouvoir connaître un peu mieux ce groupe cible et identifier une centaine d'enfants que l'on va pouvoir accompagner et accompagner leurs familles dans des volets de éducation, de santé et de nutrition. Une initiative jugée salutaire par les responsables du service d'écoute au niveau de Mouili pour aider chaque enfant victime ou non de violence. Nous avons la chance d'être avec le Radio Mali pour montrer comment on travaille envers les enfants victimes de violences, comment on fait et comment jusqu'à l'arrivée à la justice. Ici, au service d'écoute, on fait l'écoute attentive, on l'envoie au gynécologue et
prise en charge psychologique, on suivi si les enceintes ont fait, on fait une prise en charge sur la grossesse jusqu'à l'accouchement. À savoir, avec l'appui financier de l'Union européenne, l'ONG Maïcha œuvre pour la protection des enfants en les accompagnant dans certaines étapes de leur vie. De telles activités, en vue de sensibiliser la population, sont également menées à la Grande Comore et à Anjouan. Le rappel de titre avant de boucler ce journal. Les examens oraux du baccalauréat ont débuté ce mardi à Mouilly. Toutes les dispositions sont prises par les responsables du domaine pour le bon déroulement de cette épreuve. Former les éco-gardes et rangers du parc national de Mouilly à faire les premiers secours en cas d'accident a fait l'objet d'une formation dispensée par le Croissant Rouge Comorien de Mouilly. S'assurer d'une bonne surveillance de la population en cas de maladie était au menu d'une formation au profit des agents de santé communautaire de l'île de Mouilly. Et c'est la fin complète de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne continuation de programme sur votre chaîne nationale ORTC. À bientôt.